go back and do some easy difficulties. Let's go, baby. Let's go, baby. So that's something that I hate in video game. It's mashing. I'm so bad at mashing. 1 hour, 30 minutes of mashing is kind of complex for me. Imagine if I tried some RPG like, what's the name of the game? Final Fantasy VIII, for example. I fucking love this game, but oh my fucking god. 7 or 8 hours of mashing. Just imagine that. You and a controller mashing the X button for 8 hours. My goodness. But thank God in the Japanese version, you can see that the text is quite fast compared to Western's game, where the text scrolls very, very slowly. And also Japanese is, for the most part, the fastest, because you have less character. Well, they fit more character on the screen, so it's actually faster. Dude, I have such a good fight here. Oh no, I had the perfect thing. Oh, I did a jump attack. That's bad RNG. Okay, that's two. And got it. Yay! World record! 8 seconds! Guys, we have it! It's the world record! Yeah, the world run's gonna be not gold everywhere. I'm pretty sure I'm gonna fuck up at Ken. Ken fight's gonna be the run killer. I don't know! It's so weird, in this test run, I did a fucking game over like 4 or 5 times in a row on Misuzu 2, and then when I fought Ken, I had it the first try. I just killed Ken the first try. I was like, what the fuck? So the prison escape is pretty long because you have all the dialogue exposition and stuff, so you have to wait. If we ever get newcomers and stuff that wants to know the story, I can talk about what's happening. It's when you don't know the game and you just see the thing in Japanese, you're kind of like, wait, what? But yeah, all right, let's go out. Ricky, so we have a fight. There is 2 fights in Prison Escape. You have the first cops here, and then after that you have the chief outside. I count that as the escape. I'm always too greedy. No! Fuck. Alright, got him. No, stop. If you are in the run mode, he doesn't grab the ladder. This is why he didn't want it to do it. Okay.
And then you got title cards. Yada yada doze. So you can only skip it when the text fully appears. And this is the only skippable cutscene of the game. All the rest is you have to mash through. So. Oh my fucking god! What the? Police brutality? My god. And sometimes they are really crazy. Dude, every time I try to go back, but the controls are so bad that it doesn't register the fact that I want to run away instead of walk. So it just makes my character walk away like that. He just walks away like a boss. I'm lost. And goodbye time. You just fuck up the first fights. Alright, now we need to get the uniform to get my power back. Hey! Merci pour le raid, Yuichi. Bonsoir, monsieur Yuichi, comment ça va? Ah, vous avez pêché, vous avez joué à Final Fantasy VII. Salut Moon. Oh, ça faisait longtemps, Moon. Comment ça va? T'as pêché? Eh oui, t'as pêché, c'est pas bien. Ça va tranquille. On fait un petit speedrun d'un beat them up RPG. C'est la première. J'avais fait un test offline. C'est pour ça que j'ai déjà des temps. Oh! Ok. Start. Good. Ben, on vient s'échapper de prison. C'est normal, Yuichi. On a été frame par quelqu'un. C'était un coup monté, du coup on s'est échappé de prison. Pour découvrir qui c'est qui nous a mis dans la mouise. Mais quand on retourne à l'école, l'école, c'est les autres Yakuza qui ont pris le contrôle de l'école. Et ils ont piqué notre petite amie. Et je suis en train de faire que de la merde là. Putain de merde. So, floor 3. Oh my god, sometimes the aggro is so fucking crazy in this game. No, just one hit. See? I knew it. Dans le jeu, on peut faire plein de trucs, hein. Mais écraser la bite des mecs au sol, ça fait plein de dégâts. Donc c'est ce qu'on va faire le plus souvent. Et les spéciales. Mais on n'a pas encore les spéciales parce que dans l'histoire de Kunio-kun, en fait, on obtient toutes nos attaques et nos pouvoirs avec notre uniforme. Notre uniforme de badass. Oh non! Ok. Aha!
Oh, mais... C'est chaud. Et dans ce jeu, un game over, c'est horrible parce que... Alors lui, il faut qu'on le chope à l'autre bout de l'écran. Parce que sinon, on va dans la cutscene, on va marcher jusqu'au boss très lentement. Et ça nous fait perdre du temps. Allez, viens là. Crétin. Voilà. Voilà, comme ça, on fait juste deux pas et c'est bon. Et c'est le boss. On est rentré par derrière, la police est devant là. Donc là, il nous insulte et tout. Il parle mal sur notre meuf. En fait, la rumeur court que notre meuf s'est mise avec lui. Non, c'est Ricky. Lui, c'est Ricky, l'autre, c'est Cugno. Et en fait, en appuyant sur Select, on peut changer de perso. D'où le fait qu'on n'a pas de vie dans le jeu et que si on perd un perso, bah c'est game over. On va changer là. Parce que... Allez, le boss meurt. Putain, il veut pas mourir le boss. Oh my god. Alright, got him. You dead, sir. Donc, je split là. Ouais! Backworld record! Yeah! Donc on a retrouvé les habits et notre petite amie arrive. Et elle est là en mode mais dis donc, t'es déjà sorti. T'as déjà pété la gueule à tout le monde, alors qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc en gros elle nous dit que à l'école de Ricky, notre pote, elle a aussi été prise par un autre gang. Et qu'en fait il y a tout un truc qui s'est organisé pendant qu'on a été foutu en prison. Et là c'est le moment qui est trop stylé parce que là vous voyez la meuf elle squatte aussi avec les mecs. J'adore, les meufs dedans, elles sont trop stylées. Et là, il lui dit, elle lui a dit que c'était un malentendu et que en fait, elle n'était pas avec le mec, quoi. C'était juste des rumeurs. Et donc, on lui dit, ouais, vas-y, tu veux venir avec nous? Et alors, elle nous dit, non, c'est pas comme si je m'inquiétais pour toi. Et au moment où on dit, bon, bah, tant pis pour toi et on part, bah, elle vient quand même avec nous. Donc, du coup, c'est un jeu où, en fait, on peut jouer aussi les filles. On peut jouer les petites amies des deux persos. Et sur le chef de police qui veut nous arrêter, mais son fils se sacrifie pour nous. Comme ça, on peut juste courir deux blocs après et aller dans l'école en ruine juste à côté. Oui, parce que les deux écoles sont juste l'une à côté de l'autre. Plot convenience, comme on dit. Et donc du coup, on rencontre un élève de son école, hein, ils ont l'uniforme bleu. Et il dit le mec il run le truc et à ce qui paraît il est en duo avec un zonard un punk qui va au parc d'attractions et qui fait bosser en fait tous les élèves de l'école. Donc tous les élèves de l'école ils bossent là-bas comme ils font du boulot là-bas, je sais pas quoi, ils disent juste work hein, en japonais. Et apparemment tout est lié et ils leur prennent l'argent et tout. Et un gang serait responsable de tout ça.
Donc là maintenant on a nos habits, du coup on peut faire nos spéciales. Et ça c'est bien. Et donc ça, et donc dans l'école de Ricky, ils ont kidnappé sa petite copine. Donc là maintenant on va aller la libérer. Et bien sûr comme vous pouvez voir, hein, l'école tombe en ruine. C'est du n'importe quoi. Mais où sont les profs? Mais que fait la police? Je ne sais pas. Okay. Les filles courent plus vite d'ailleurs que les mecs. Donc pour couvrir les distances, c'est pratique. Elles courent plus vite que le scrolling. My God, mais non. Voilà. Allez. Non, il y en a encore un. Ça joue qui fait chier. Alors j'allais le dire, je vais avancer un peu parce que je crois qu'il y en a même deux. Allez! Le petit Tatsumaki à l'aise. Ça en fait un en moins. Et lui aussi. Allez. Next. Ouch. Pas non plus que je perds trop au niveau des persos parce que les boss sont vraiment hardcore parfois. Comme j'ai dit, un petit game over et on est dans la merde. Oh my God, le jump kick! Ah, il a quand même pris le dégât, j'ai vu. Oh, j'ai horreur quand ça fait ça. Oh non! La range qui était pas bonne! Spéciale qui est pas sortie. Si elle est sortie, il y avait le son. Et en fait, c'est le problème de toutes les spéciales, c'est qu'elles ont tellement de délai. Il y en a qu'une seule de spéciale qui a pas beaucoup de délai, et c'est celle de Ricky quand il fait sa furie de coup. Merde, non, je suis pas sûr. Non, c'était bon. Fuck. J'aime trop quand Kunio, il court. Lui, il est toujours en train de sourire comme un con. Voilà, on est sur le toit. Second boss, let's go. Donc là, on voit la petite copine de Ricky. Et le boss est en train de la draguer et tout, sévère. Et elle dit, ouais, mais il va venir. Et lui, il dit, mais non, il est en prison, nique ta race. Et puis lui, il fait, ah ouais, t'es sûr? Et là c'est le badass, il dit vas-y poupée, rentre à l'intérieur, je vais lui régler son compte. Et maintenant c'est le boss fight où l'école est en train de littéralement s'effondrer. Donc le gimmick c'est qu'il faut sauter à chaque fois que l'école s'effondre. Genre là. Accessoirement. Non, je voulais sauter. Oh putain, il m'a fait une spéciale. Le pire, c'est que même si on focus que le boss... Merde, j'ai sauté trop tôt. Si on focus que le boss, il faut quand même tuer l'espèce de goon de merde avec. Je comprends pas pourquoi. C'est le jeu qui nous force.
please. Good. Ok, on va passer à Ricky. C'est l'heure de lui péter la gueule. Il a quand même pris des coups. Ce combat qui dure 20 ans, parce que les boss ont 20 000 HP. Pour dire, le truc de l'effondrement de l'école, il est basé sur le truc normal du jeu. Hein. Une fois que l'école est effondrée, la cutscene commence. Le TAS, il va tellement vite que le boss, il est mort avant même que l'école a fini de s'effondrer. Du coup, il faut qu'ils attendent. Et là, c'est pas bon. Parce qu'il va devoir marcher tout au bout. Donc, on perd un peu plus de temps. Mais bon, c'est pas grave. On l'a eu. Alors là, bien sûr, on l'a tabassé. On veut des informations. On veut savoir c'est qui prend l'argent. C'est qui fait chier. Mais il refuse de nous donner le nom. Du coup, Kunio, il dit à sa petite copine « Ouais, vas-y, occupe-toi de lui, fais-le parler. » Vous allez voir. Elle lui fait parler. Et là, il crache le morceau. Oh putain! Et dis donc! Mais dis donc! C'est un gros gold! Ah ouais, mais ça fait toujours parler ça! Donc le système de spécial, il est simple, c'est quand on duck, garde, quand il prend sa position là, vous appuyez sur n'importe quelle touche et vous pouvez faire une spéciale. Chaque bouton du jeu correspond à une spéciale différente. Je peux faire un dragon, je peux faire un dash, je peux faire une back attack spéciale avec le bouton de back attack. Ah putain, je voulais grimper sur lui. No homo. Merde. J'ai oublié de switcher sur... Ah bah tiens, la petite copine de Ricky, elle a aussi le kick. Donc c'est pratique. Réglé. Et voilà. Donc, Amusement Park, partie 1, l'horreur, la roue, fucking wheel. So, now we ask to the guy who's behind this. So, apparently there is a clone of Kunio. And his name is Ken, and he looks exactly like him, and he is with the mafia. And he's doing bad shit. So now we have to find the dude that gets paid by Ken. But he's hiding. So we have to find him. So what a better way to go to some attraction and just beat the shit out of everyone. Ah, comme j'ai dit. Hein. En gros, on a été frame par une mafia. Et le mec qui est payé ici ressemble exactement au héros du jeu, Kunio. Comme vous pouvez voir, le stage n'est pas pratique. C'est le pire écran du jeu. C'est pas pratique du tout. Parce qu'il y a du platforming dégueulasse.
et beaucoup de glitch. Ça se passe plutôt bien. Le problème des spéciales, c'est qu'elles sortent pas tout de suite. Faut bien attendre. Faut bien attendre que le personnage est Duck. Sinon, je fais un kick dans le vent, quoi. C'est pas pratique. Non, non, l'IA est resté. Oh, fuck. Ça, c'est une grosse perte de temps. Putain d'IA qui est resté bloqué. Parce qu'ils bougeront pas, hein, ils sauteront pas du truc. Hein, ils restent là, les coups. Paf! Rect! Putain, j'espère que la run, ça va bien se passer. L'émulateur là qui fait déjà des petits sons bizarres. Parce que mon PC n'en peut plus. Waouh! 24 secondes de gagné. Allez, c'est parti. Donc maintenant, le chef, en fait, s'est enfin décidé à nous parler dans le micro. Et il nous a dit qu'il est aux montagnes russes. Du coup, on y va, mais c'était un piège. Parce que c'est rigolo de se foutre de notre gueule. Ah, il y a des moments où les touches elles sont horribles. Bon, là il va falloir que je change. Ah, il faut que je. Ah, faut que je prenne les autres persos. Parce que le boss il va être chiant. Donc, en gros, pour regagner la vie, il faut qu'on prenne l'attraction. Parce que ta petite copine te dit à la fin du combat les gars, vous voulez pas faire un tour C'est gratuit. Et donc quand on fait ça, on a toute une animation avec le moteur de la SNES qui fait le manège. Mais le problème, c'est que ça nous fait perdre trop de temps. Donc on peut pas faire ça. Et du coup, il faut qu'on y aille sans recharge de vie. Ok. Non, normalement, faut être là. Ouais, bon. Donc voilà, là, il est là. LOL, c'était une joke, je vous ai prank. En fait, je suis dans le truc des cartes. Et voilà. Du coup, là, elle propose le petit tour. Mais nous, on n'a pas le temps. On va tout de suite affronter le boss. Alors, il fait super mal ce boss, donc il vaut mieux pas que je me fasse choper. This boss is very dangerous because he eat like a truck. I'm gonna save Ricky for the end because I'm too scared of losing him. Classic strat. Jump kick. Une two stomp. D'ailleurs, c'est des gens dans le chat qui savent comment choper les damage value. Hein. J'aimerais bien savoir les damage value du jeu. Changer. Vous voyez que le boss il fait mal. Ouch. Putain, c'est pas passé. C'est trop long.
Allez, meurs. C'est quand tu veux, Richard. Ah bah voilà. Mais c'est nouveau pas bien, parce qu'il va courir, on le tue à l'autre bout de l'écran. Donc là du coup, on lui a un petit peu pété la gueule. Du coup, il s'enfuit. Mais bien sûr, heureusement, notre moto était là. Elle était là, juste garée. Yay, gold. Et maintenant, on passe à la section moto du jeu, qui est extrêmement compliquée. Si tu fais le kikou, t'es mort. Donc en gros, les virages sont super serrés et le jeu rigole pas. Tu touches le mur, t'es mort. Tu touches le mur, c'est game over. C'est aussi simple que ça. Et si ta moto se coince sur la moto de l'ennemi, l'ennemi peut t'envoyer dans le mur en l'espace de 2 frames. Donc c'est super dangereux, voilà, de tenter d'affronter les ennemis. Wow, vous voyez que les virages sont un peu plus serrés, la moto part très vite en couille. Il faut vraiment être super safe dans le jeu. Ah oui, et on peut pas switch de personnage, donc vous avez qu'une seule barre de vie. Hein. Votre barre de vie tombe à zéro, vous êtes aussi mort, c'est aussi game over. C'est vraiment... J'ai game over sur la section moto numéro 2, il me semble. Oui, comme vous pouvez le constater, lorsque l'on met un coup de pied, la moto part aussi en couille. Vous perdez le contrôle de la moto. La section se termine quand on voit le panneau qui nous dit qu'on n'a plus que quelques centaines de mètres à parcourir. Et là, c'est pas grave si vous ne tuez pas l'ennemi. Le jeu passe tout de suite à la section suivante. La première partie en moto, ça agit comme un peu à... Oh, voilà, j'ai eu chaud. C'est lui qui a pris le mur. Mais j'ai eu très chaud. Donc voilà. C'est un peu comme un tutoriel. Attends, mais normalement on est à la fin là. Si je dis pas que... Celui-là il était chaud. Je crois que c'est le dernier là. Ça c'est bizarre. Si je me rappelle quelque chose. Non, si vous, monsieur, vous y avez joué. Et voilà! Bike section done! Yay! On a gagné une seconde! Incroyable! Mais quel driver! Et on est au doc. Et au doc, bah. En fait, c'est l'adresse qu'on nous a donnée. On nous a dit que le mec, en fait, il s'est échappé ici. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est gagner du temps et gicler les mecs dans la flotte. C'est pas facile et c'est aussi dangereux parce que s'ils me font voler dans la flotte, bah c'est game over. Allez, venez! Messieurs, ce n'est qu'une écolière. Voilà. Aussi simple que ça. Là, ça s'est tellement bien passé que ça va être un gold. Assuré. À l'aise, putain, 32 secondes. Record du monde, les enfants. Ça, c'est quand personne run le jeu. Hein. Vous pouvez faire un PB, c'est un world record tout le temps. Bon, cette partie-là, elle est chaude. Je vais me la jouer calme. C'est un petit peu dur de... Déjà, il y a cette sorte de... gravité un peu étrange dans le jeu. Donc, il faut que tu comptes les lags bizarres du jeu.
Parce que tous les jeux SNES, bien sûr, ils souffrent, hein, à cause des sprites. Du coup, c'est un peu plus lent, long à la détente. Et en plus, la gravité du truc est bizarre. Donc vous devez calculer les distances en même temps, etc. Donc c'est un petit peu chaud à jouer. À prendre en main, c'est un peu chaud au début, mais après ça va. Oh la baffe ! J'adore le sound effect de la baffe, il est quand même super. Ouch. Allez. Oh, bah vous voyez, les lags. Elle a voulu faire un saut avant down kick. Elle a juste fait du surplace. Mais c'était super rapide, donc très bien. On a encore gagné du temps là. Figure-toi, Fantôme, que sur ma test run, je l'ai battu du premier coup. Et c'est le boss d'avant que j'ai recommencé plusieurs fois. Putain, mais... Stop! So fucking aggressive! Oh no, that was my bad. So stupid. That was bad. That was a bad idea. Now I have to do all the platforming again. Oh yeah, that's the best thing. I was about to say there is a last one, I guess. Yep. Yes! Oh, that's gold. It's not over yet. And that's the part I can game over, because this part is pretty rough. You have to fight other enemies, and then you have the boss. And the boss have some goons with him. So... No! Fuck. I'm gonna change to Kunio. Just one. Come with me, dude. Oh, I thought I could kill him. Just one hit. Alright. Oh, you have to go there to trigger the fucking elevator. Okay, when the elevator hits down, I split. Oh fuck! 37 seconds. Okay, don't game over. See, so you can't plane shift, and you have goons plus boss that eat like a truck. So this one is pretty stressful.
Okay, thank you, game. Thank you, game, again. The game can just bug in and do that. So your character is just stun lock. And when you try to do the special, you just kick. And it's bad. Fuck! Do the fucking special! This boss fight is bullshit. It's fucking bullshit. Dude. I guess it's game over then. I can't, because he keeps running and moving, so I can't jump kick him with the girls because they have too much range. Oh my god. Oh fuck. That was so close. This fight is so hard. Okay, we lose time here. But the run is still okay. I hope I won't game over on the sections that I did game over, because that's huge gold potential, and I did at least 6 game overs over the course of the run. Yeah, that was really scary. Le policier il est là, mais cette fois-ci il nous croit parce que son fils a fait des recherches et ils ont trouvé qu'en fait c'était notre copycat Ken qui avait tout organisé. Et que ce copycat en fait a été élevé par le chef de la mafia, Monsieur Sabu. Et bien sûr il a été conditionné à croire que il est notre frère, parce qu'il a été pris dans un orphelinat. Et que il lui a bien sûr appris à nous détester. Du coup, c'est pour ça qu'il travaille pour Monsieur Sabu et qu'il nous a foutu en prison. Donc il a causé un accident et comme il nous ressemblait, les flics ont cru que c'était nous. Voilà, back section numéro 2, c'est là où j'ai game over pour la première fois dans ma première run test. On va voir comment ça se passe. Donc là, je vais fermer ma gueule et je vais me concentrer. Parce que on peut mourir en 3 frames dans ce putain de mini-jeu. Le virage là il est tellement serré qu'on peut à peine accélérer. Fuck. Je l'ai dit, hein. Je touche le mur, je suis mort. C'est bon. Ouf, pas de game over. Ça, c'est bon. C'est beaucoup de temps sauvé. Regardez-moi ça. Une minute entière de sauvé parce que j'avais game over comme un sac. And now we fight Adam and Blaze from Streets of Rage 1.
Look at that. So cool. Dude. So yeah, in the story, the cop told us that the mafia is based. Mafia Goon is based at the disco of the city, so we took the bike and we got here. So they already knew that we were coming, so they engaged people to kill us. And you already know what's the next boss by watching my next split. That's not a joke. It's really him. Oh, dude! Okay, safe swap. Oh, we got Blaze. She's dead. Oh, fuck. Damn damage from Adam. Yes! Holy shit! Is that a gold? I just run at the door. So Blaze wake up and just run to Trump Sama. Yes, Trump is in the game. And now we have to fight him. Oh, just 036. Look at that. Allez Trump, c'est l'heure de prendre ta dérouillée. Alors il faut se battre contre Blaze aussi en même temps, ce qui est un petit peu chiant. À savoir que ce boss fait super mal aussi. Et il est même pas phasé quand on le touche. Because c'est Trump quoi. Je crois qu'on va la jouer safe. Parce que je crois que le combo du boss il fait tellement mal que je pourrais en mourir. Et on a eu Blaze. Non. Vous savez quoi, Ricky?
No. Make sure you eat everything with your special, because... Play safe. Trump got a lot of HP. No, I missed him. Yes! We got him. Alright, no game over. Switch, girl. Damn, the controls are so laggy. Alright. Alright, now we are out. We need to go to the center where Sabu and Ken are, which is in a pachinko center building. So now we have to go to the last biker section. And here comes the most crazy boss fight in the game, where you can just chain loose so quick and I almost game over here. Okay, shut up and focus. No! Please, game, don't glitch. Don't touch me. Don't touch me. Alright, fuck it. We got it. That was scary, but I got it. There is always that problem where the bikes can just eat each other and then your back is just sent against the wall instantly and you game over. That's so scary. So now we fight the mafia. And the mafia dudes are dangerous guys who just use knife and stabs you. So you can't actually fight them. You can't be too close to them, otherwise they just stab you, and fucking special won't work. I hate that so much in this game. Like, if only I could do the special more efficiently, that would just help so much more for the run. I'll take Kunio. That's one. Yeah, you're a little bit late. It's already an hour in. So sometimes they can duck your jump, but you know, I prefer doing that over getting stabbed repeatedly by trying to face them. It's not the best idea. Also, I have that weird bug I don't understand, because they explain that the controls are, if you hold down and punch, you get on top of the guy, and if you do that with down and kick, you do the stomp. But sometimes I want to stomp, I press kick and you just go on the guy like that. So I think it's when you are in the middle of the body
So you can only stomp the dick or stomp the head. Ah, fuck, no! I need health! Dude, I need that. It's vital. Dude, this boss is the most dangerous boss of the whole game. She can stunlock you and she does the most damage. Kind of like the final boss when he shoots you with the gun. And the worst part is that you fight this girl twice during the game. So it's even worse. Yes, just miss everything. And of course, in boss fashion in this game, she have a shit ton of health. Oh my god, no. Don't dash. I have to be very careful, because if she starts dashing, she can stunlock me. Kinda like that. I'll just play safe and switch character, because... The slow strat would be to... Oh fuck, she got me. The hitbox is so fucked up in this game. She can touch me from behind. Just because it's too large. Oh my god, almost game over instant. Jeez, fuck this game. And the special didn't got out. So I was trying to explain that... The slow strat would be to bait the dash that she does and to try to get her to face the opposite direction so she's open for a normal combo. It takes too much time, so I have to risk. I have to take risks. Oh, she almost dashed on my face. If I whiff my special here, I'm pretty much dead. God. Damn it. Shit! Okay, I got her. Oh. The controls. Alright. We don't split yet, we still have mafia dudes to kill. And then we have to trigger the cutscene. In the special room. And after that, I split. So now we have... not a lot of health. So it's gonna be a little bit tight. She's fucked with the special! For fuck's sake, do the fucking special! I really press the trigger and nothing happened. Uh-oh. No, this is the thing you don't want to do. Try to kick a guy while the other one is just behind. It's instant stab for you. Okay, that's one. Oh, they just have a lot of health. That's basically why. It doesn't help when a boss doesn't have health bar displayed on screen, I guess. Alright. We got it. No game over. Now we have the infamous cutscene. Okay, pour les Français qui ne comprennent pas l'histoire, ben voici Ken, notre lookalike, qui se fait passer pour notre frère. Et bien sûr Sabu qui nous taunte, mais on lui dit on va te péter la gueule.
Et lui, il dit « Ah ouais ?» Et il bute nos petits amis. Et là, c'est le moment larme. RIP Girlfriends. Sad emote. I just wanted to play some pachinko. Fuck. And it makes the game even harder because now you can only switch between Kunio and Riki. So you have even more chance to game over. So I split when there is the police escort. So now Mamoru is out with his father. And you're like, yo, dude, they're wounded severely. We need a hospital to take them to the hospital. So Mamoru's gonna call an ambulance and the cop's gonna escort us. Bam! To the secret mansion of Sabu. So we can beat the shit out of him! Alright, so now we fight on a very convenient bridge. I guess you say bridge. Yes. Yes, the AA was locked. That's nice. I like that. That was an extremely good AA there. Dude! I want that for all my fights. So convenient bridge means Ken prepared a trap for us. So now we fall. That scream. But don't worry. We are fine. The fight goes on. Don't touch me! Oh no, I did a game over on the factory. The factory is also some bullshit platform moment where if your control doesn't work, you are basically fucked. Oh fuck. The thing I like with the enemies, it's the fact that they just keep taunting you, squatting, spitting and stuff like that. It looks so cool. I like it. It gives that little edgy flavor to the game, with all the insults and stuff. I guess it's the first Kunio-kun that have so much insults and stuff. Wow, dude, it's on a set timer? I was so fast! Dude, I was so fast that I finished the scroller. Oh my god. Alright, so we see that cave and it's a secret factory, and by using this secret passage and this weird factory, we can get back to the manor. And I did a game over here, so... Now I need to focus because this shit is so stupid.
I'm not sure that the thing comes in. And it doesn't help that... Come on. Yeah. Yeah, you have to do that. Alright. I didn't die. That's the best thing. So we win another minute. So now we fight more mafia, bald dudes that can duck, block, and stab us. The Ferris wheel screen was pretty decent. I can use the screen to my advantage, like squishing the AA against the carts, so they're just push infinitely against me, so I can spam my special on them. So if you don't fuck up the platform, it's quite good. The problem here is that I don't want to lose life, because we have Dean to kill, and the quick Dean kill is pretty complicated. Because Dean is still eating like a boss, and the platform can fall and kill us as well if Dean managed to stun or eat us while the platform just fall. So it's also a scary moment. Well, you lose one character and you basically game over. You can't even let one character die in the game. Please die, sir. I hate that level layout, because you have no clue where he is and what he's doing, or if he's ducking, protecting. You don't know. So it's a trap. All right, Dean, show me what you got. Rip, Dean. That was a perfect Dean kill. Okay, now we switch to Mister. And we hope that the fucking trigger works and that I do my specials and I don't go on the girl, even if Ricky kind of wants to already find a new girlfriend. I'll just not stone. Come on! This is the worst part to die. If you game over here, you're sent all the way back to Dean. And I don't want that. That's what happened on my first run, so huge gold incoming. No, don't go on the girl! Stop it! I don't remember if they give you life back for Misuzu, but
get ready for the first game over against that boss. She's brutal with four character, so with two it's even worse. No, stop going on the girl! Stupid idiot. What? What was that? God damn it. I'm so sick of Ricky. Ricky, stop! Oh my god, the AA just went completely nuts. Thank you, game. Just leave me alone now. Got him. Alright, let's go. Boom! Another gold. Oh, please give the life back. At least give me a chance to do a no. This boss is so hard. I guess I did 4 or 5 retry on that one. This one can literally kill the run right now. I have no clue how to beat her. Oh, she was on grab mode. Come on. No! Yes! Get fucked, Misuzu! Get fucked! It's not over. We have Ken. Ken is also a piece of shit. He's very, very complicated. The problem with Ken is that I have only... Look at the time one. 11 minutes ahead. Holy shit. Alright, so now the problem is Ken. Ken is super hard to fight when you are playing Kunio. So you only have the special that is strong against him, the punch special that I do with Ricky. And this is literally the only way to do damage without taking too much hit by Ken. Kunio really sucks against Ken. They boost ducked. Okay. Let's go! Oh, even more gold! Oh shit, if I game over now, it's gonna be so sad. Dude, if you don't press... if you don't press, nothing happened, dude! Alright, so now it's the final showdown.
So I start with the shitty Cuño, and then we see what happened after that. For now, it's not good. It's not good at all. He ducks everything. He's in Shiva mode. Yeah, he's pretty much in Shiva mode. He reads all your inputs. That's the problem of this boss. And I missed my special. That was the wrong input. Let's just focus. Dude, he did a stomp. Fucking idiot. You can kinda lock the AA against the door, but it's not very useful for what I'm trying to do. The worst thing in this game is that if I focus and try to do a long fight against him and I'm just close to kill him and I game over, I lose all that time. It's the worst part of doing a game over. Come on. No. Alright, got him. See, sometimes the AI even duck when you're not on the same plan as him. Because he is reading your input. He exactly knows that you're trying to hit him. But this is the fastest special. So you still manage to get him. No! Please, 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 no, get up! Please die. Yes! We got him. Fuck yeah. Oh, I was so close. RIP. Ken is dead now. Holy shit, I can do a 1cc. Gotta do a 1cc world record. Whoa. Dude, look at that. I even killed Ken faster. Now he's dead. He's dying. He's like, dude, I'm not your real brother. Everything was a setup from this bitch Sabu. And he have an auto-destruct system in his manor. So he's just destructing everything now. So that's the final boss. Okay, focus. This one can two-shot you. Switch. Yes!
Phew! Got it! And that's a no game over run. Oh, fuck, so good. 1 hour and 20 minutes. Oh, that was exactly my goal. When I start... Dude, I already have my goal. End of the stream, goodbye. Oh, fuck. Now do it all over again. Yeah, just the beginning of the run sucked ass. Like, really, really bad. Like, it's crazy the AA was just totally nuts. So aggressive. I took so much knockdown on the beginning of the run. But I got it. Phew. Oh my god.